Bienvenue dans les corrigés du marketing digital de @AZ et nous en sommes maintenant au chapitre 3. Donc ce chapitre 3 s'appelle l'art des expériences omnicanales et sans plus tarder, nous allons plonger dans cet exercice du chapitre 3. Donc voici l'intitulé du premier exercice. Imaginez votre parcours client qui utilise tous les canaux disponibles, physiques, téléphoniques, web, réseaux sociaux et pourquoi pas le métaverse. La question est la suivante. Quel canal vous semble le plus à même d'apporter une satisfaction hors du commun pour vos clients? Je vous rappelle qu'on essaie d'avoir une excellente UX, User Experience, donc ça veut dire que quel est le canal qui apporte la meilleure expérience, sans couture, agréable, complètement enchanté. Le type de canal varie-t-il en fonction des typologies de clients, âge ou profil? Alors on va répondre à toutes ces questions en commençant par la première. Quel canal vous semble le plus à même d'apporter la satisfaction hors du commun? Alors c'est tout simple, c'est tout bête, mais il fallait y penser. C'est le canal favori du client. Si votre client est préférentiellement sur Facebook et Messenger, eh bien, il faut que nous allions lui répondre et lui parler sur Facebook et Messenger. C'est le cas des Japonais, par exemple. Si votre client est préférentiellement sur WhatsApp, eh bien, il faut aller lui parler sur WhatsApp. Si votre client, il y a peu de chance, mais si votre client est préférentiellement sur X, eh bien, il faut aller lui parler sur X, répondre à ses messages, lui balancer des DM sur X et entamer un dialogue sur X. Si votre client préfère LinkedIn, il y a peu de chances, on peut discuter sur LinkedIn. Si votre client préfère l'email, eh bien ce sera l'email. Si votre client préfère le contact physique ou le contact téléphonique, ce sera ce contact physique ou ce contact téléphonique. Donc la réponse est extrêmement simple, c'est ce que le client préfère. Maintenant, il y a un deuxième niveau de réponse dans lequel je veux vous amener, c'est aussi le canal que vous maîtrisez le mieux. Si vous avez un super point de vente, si vous avez un super stand dans un salon, eh bien, il va falloir mettre l'emphase sur ce canal-là, insister pour que le client vienne sur ce canal-là et lui apporter une expérience hors du commun sur ce canal que vous maîtrisez mieux que la concurrence. C'est l'effet BOB, Best of Breed. Vous êtes le meilleur de votre cohorte dans l'accueil physique du client dans un salon, avec tout ce qui va bien, le bon stand, les bonnes démonstrations, les bons produits, la bonne attention, la bonne invitation, bien sûr, ou en conférence, ou en webinaire, et bien c'est là-dessus qu'il faudra vous axer. J'aimerais porter votre attention sur un canal manquant qui est le canal mobile. Beaucoup de gens associent à tort le web et le mobile. Le web est fondamentalement différent du mobile. Sur le web, c'est le visiteur qui va taper une URL ou qui va taper une requête et qui va choisir votre URL dans une SERP de Google ou d'un autre moteur de recherche. Dans le cadre du mobile, votre icône, votre marque, votre nom est sans cesse sous les doigts, sous les yeux du client ou du prospect ou de l'utilisateur et d'un simple toucher de doigt, d'un simple clic, il peut rentrer dans votre univers sans avoir besoin de chercher, sélectionner, trouver l'URL, rentrer sur un site, rentrer ses logins et mots de passe, etc., etc. Le mobile permet une interaction bien, bien, bien supérieure. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà de tout ça, le mobile permet en plus du push, ce que ne permettra pas le web. Il faudra passer par l'emailing ou par le SMS pour avoir le même effet. Mais peu importe. Ce qu'il faut retenir dans ce chapitre sur l'art des expériences omnicanales, c'est que bien sûr, il faut maîtriser les différents canaux. Bien sûr, il faut exceller dans l'accueil client dans ces différents canaux. Mais il faut les maîtriser tous et de manière omniprésente ou omnisciente, permettant au client de passer d'un canal à l'autre canal. Il peut commencer sa demande ou sa requête ou son ticket sur le web,
le continuer via l'application mobile, puis continuer avec un appel téléphonique et on aura gardé son historique web et son historique mobile, puis se rendre, pourquoi pas, dans une entreprise ou dans un lieu où on va parler de ça, puis continuer sur les réseaux sociaux pour finir par email et pourquoi pas, comble du comble du comble du mix des différents canaux, pourquoi pas dans un métavers où on aura invité un client. Alors, deuxième question qui se pose à nous, donc la réponse à cette première question, c'est l'omnicanalité, la facilité de passage d'un canal à l'autre canal, la complétude, il faut bien sûr cocher tous les canaux et il faut être excellent dans chacun des canaux en allant sur préférentiellement le canal qui est le canal favori du client. Ça suppose que l'entreprise, si vous avez une certaine cible qui nous amène à la deuxième question, si vous avez une certaine cible, mais peut-être que vous allez être obligé d'ouvrir un canal Snapchat parce que votre cible est sur Snap. Il est hors de question de dire à un jeune qui est sur Snap d'aller se dropper sur Messenger de Facebook parce que vous, ça vous arrange et que votre chatbot, votre robot est parfait sur Messenger. Un jeune qui est sur WhatsApp n'ira pas sur un Messenger, un Facebook, parce que il n'a pas l'habitude et c'est pas là qu'il vit réellement. Donc, deuxième question, ce canal varie-t-il en fonction de l'âge, et j'ai commencé à donner un mauvais début de réponse, mais c'était à bon escient. Est-ce que l'âge change quelque chose sur le type de canal? Alors bien sûr, il y a des grandes classes d'âge et il y a des grandes vérités, mais attention, j'aimerais aller contre ces vérités. Je vous les donne d'abord. Les boomers et les X seront plutôt sur Facebook Messenger. Les millennials ou Y seront plutôt sur Instagram. Et la Gen Z sera plutôt sur TikTok et Snapchat. Ça, c'est les grands lieux communs, les grandes statistiques. Mais au-delà de ces statistiques, et donc plutôt que l'âge, prime l'usage. Vous pouvez très bien avoir une génération X qui, pour des raisons de dialogue avec les jeunes, pour des raisons d'habitude, pour des raisons de suivi de certaines marques, est présent non pas sur, on l'attendrait sur Facebook, mais il est plutôt sur Instagram, voire sur TikTok, parce qu'il a trouvé son compte par rapport à TikTok. Et donc, il faut plus tenir compte de l'usage des réseaux sociaux, l'usage des canaux, là où se trouvent vos clients, et ne pas faire de grande ségrégation en disant les jeunes, on les trouve uniquement ici, et les vieux, on les trouve uniquement ici. Pareil, les professionnels, on les trouve uniquement sur LinkedIn. Ben non, les professionnels, ils sont aussi sur Facebook, ils sont aussi sur Insta, ils sont aussi, pour certains, sur TikTok, et on peut faire de très très belles, de très très beaux contacts dans l'omnicanalité, justement, sur des réseaux où nos clients ne nous attendent pas. Donc, on a fait ce premier exercice. On va maintenant passer au deuxième exercice qui est basé sur des outils, basé sur le NPS et basé sur différents éléments. Alors, utiliser SurveyMonkey ou Qualtrics ou autre outil d'enquête pour calculer un NPS. Alors, pour que ce soit encore plus clair pour vous, moi je l'ai fait directement en partant d'un tableau genre Excel. Donc j'ai rentré les chiffres ici, 9, 10, 8, 7, 7, 9, 6, 5, 5, 7, 6, 6, voilà, ça c'est le dernier chiffre. Nous avons donc 11 valeurs. Ces 11 valeurs sont les réponses de nos clients à la question de NPS qu'on fera ensemble tout à l'heure. Je vous rappelle qu'une question de NPS est toujours tournée sous la forme d'une légère manipulation psychologique qui consiste à ne pas demander bonjour madame, bonjour monsieur, que pensez-vous de mon service, que pensez-vous de mon produit, mais toujours tourner la phrase du côté conseillez-vous à un ami, collègue, relation, membre de votre famille, conseillez-vous à quelqu'un d'utiliser ma solution, mon produit ou le service que je propose aujourd'hui? Donc, c'est toujours, c'est pour ça qu'on l'appelle un Net Promoter Score. Est-ce que vous êtes un
promoteur de la solution que vous venez de tester. Vous sortez d'un taxi et on vous dit, est-ce que vous conseilleriez l'usage de ce taxi à vos amis? Noté de 0 à 10. Et donc, quand on note de 0 à 10 sur un NPS, la règle de calcul immuable depuis l'invention du NPS consiste à dire, on va prendre les gens qui répondent 0 à 6, donc celui qui répond 0 a la même valeur que celui qui répond 6. C'est injuste, mais c'est ainsi. On prend la valeur 0,6, le nombre de personnes qui répondent 0,6, on les appelle des détracteurs. On ne tient pas compte des personnes qui répondent 7,8 et on va retrancher ce nombre de détracteurs du nombre de promoteurs, uniquement ceux qui ont répondu 10 ou 9. Alors, c'est injuste parce que les Occidentaux, les Européens, les Français répondent très rarement 9,10. À une notation, ils préfèrent mettre un 8 en disant bah 8 c'est bien, mais en fait ça a été inventé par des Américains et vous connaissez l'enthousiasme des Américains pour dire oui c'est génial, c'est fantastique et ils mettent très facilement des 10 sur 10. Donc je reviens dans le cas qui nous est proposé. Il y a donc une personne qui a répondu qui est promoteur à 9, une personne qui est promoteur à 10, une autre personne qui est promoteur à 9, donc ça nous fait 3 promoteurs, soit 27% des 11 personnes et nous avons 5 détracteurs, soit 5 personnes, soit 45%. On ne tient pas compte de celui qui a répondu 8, 7 et 7. Eux, on ne les compte pas, ils comptent uniquement dans le pourcentage global. Donc on a 45 détracteurs et 27 promoteurs. Et quand on fait l'addition, qui devient une soustraction, on a un NPS de moins 18. Inutile de vous dire que ce NPS est lamentable et qu'il va falloir travailler pour l'améliorer. La question suivante est la moyenne de ces valeurs que vous avez ici et dont j'ai fait une simple moyenne par une fonction de moyennisation, la moyenne est à 7,2. Donc imaginons que ces données fictives soient les données d'un accueil client dans un point de vente, par exemple, eh bien, quand on a 7,2 sur 10, bon, il y a des points à améliorer, mais après tout, c'est pas si dramatique que ça, et c'est pas honteux d'avoir un 7,2 sur 10. Il y a des points de progrès, il y a des points d'amélioration, mais 7,2 sur 10, on pourrait dire, bon bah, améliorons marginalement, mais pas plus. Alors que si je vous présente un NPS de moins 18, ça veut dire qu'on n'a même pas 0 sur 100, on a moins 18. Sur une échelle de moins 100 à plus 100, on a moins 18. Là, le score est dramatiquement bas. Donc le NPS, pour répondre à la question qui est ici posée, la moyenne de la série est de 7,2 sur 10. Quel est votre avis sur la différence entre le NPS et la moyenne de satisfaction client, qu'on appelle CSAT, Customer Satisfaction? Eh bien, le commentaire par rapport à cette question est de dire, le NPS est très 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 souvent inférieur à la moyenne de la Customer Satisfaction, et donc c'est pour ça qu'il est préférentiellement utilisé par les entreprises pour faire progresser les équipes. On voit mieux les écarts qu'il y a à l'atteinte d'un score que les équipes jugent correct. Alors, c'est vrai que ce calcul de NPS est très défavorable parce que 0,6 moins, enfin plutôt 9,10 moins 0,6 et on ne compte pas les 7 et 8. Certaines personnes trouvent ça défavorable, certaines personnes préfèrent dire oui chez nous, alors on va prendre 9, 10 et on va ajouter le 8 qui est une note quand même positive et on va... Tout ça, ce sont des manipulations, ce n'est pas le NPS. Le NPS, c'est clairement les 9, 10 promoteurs moins les 0,6. La loi est dure, mais c'est la loi, dure Alex, sed Lex. Au moins comme ça, on peut partir d'une base et aller vers l'amélioration. Alors, question 3, utiliser un outil d'interaction d'audience, par exemple Slido, Google Forms, pour poser la question du NPS. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, j'ai ouvert mon Slido. Donc, Slido est une excellente solution de
interaction d'audience pour poser des questions à votre audience avec un simple numéro. Il existe aussi Kahoot et d'autres solutions. Moi, ma favorite est Slido. Donc, je vais créer un Slido ici. Il me propose un nom, je vais dire marketing digital de A à Z. Je dis ça, je dis rien, je crée mon Slido. Une fois que j'ai mon Slido, je vais prendre une question de rating. Je veux faire un rating sur 10 positions. Donc voilà, 10 positions. Et je pose la question. Alors je vais faire des fautes d'orthographe parce que je vais aller très vite. Hein. Conseillez-vous à un ami de lire le livre Marketing Digital de A à Z. Point d'interrogation, ça va très vite. Je lance mon enquête. Et maintenant, il vous suffit de vous connecter sur Slido pour répondre à cette question. Alors, bien sûr, on peut cliquer sur l'icône de présentation. Donc, on va présenter, il y a un QR code. Les gens flashent le QR code, on leur pose la question et ils vont pouvoir répondre à cette question. Et on aura ainsi un score où on va sur le site slido.com que vous voyez ici en tapant ce code-là que l'on peut personnaliser à MDAZ, par exemple. Là, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est une très mauvaise chose, je vais prendre le temps de le faire, on n'est pas à une seconde près, donc je dis que le code ici, ce n'est pas ce code chiffré non mémorisable, je prends MDAZ, je sauve, je recommence, et maintenant les gens peuvent aller sur slido.com, taper MDAZ, et ils auront la question « Conseillez-vous à un ami de lire le livre MDAZ ?» Ils répondent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a les résultats et on peut faire le calcul. Donc voilà, en quelques secondes, fait ce NPS en interaction d'audience. Donc Slido est intéressant en interaction d'audience. Vous êtes face à un public de 10, 15, 20, 100, 200 personnes. Moi, je l'utilise très, très, très fréquemment. Et tout au long de la conférence ou tout au long de la discussion, vous posez des questions à ce public. À noter qu'aujourd'hui, il n'y a pas une conférence, un cours, un webinar, une interaction d'audience qui se fasse sans un outil qui pose la question « Que pensez-vous de ceci ? Qu'avez-vous retenu de cela ? Quel est votre intérêt pour telle question ? Est-ce que vous feriez plutôt ça ou ça ?» C'est une manière de faire participer l'audience qui est aujourd'hui un must, une obligation. On ne peut pas faire de cours, de conférences ou de webinars sans avoir une question. Et je vous conseille, dans ce cadre-là, d'utiliser Slido. Maintenant, Slido va vous donner un score qu'il va falloir ensuite rentrer dans une espèce de feuille de calcul pour calculer votre fameux NPS. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels vraiment spécialisés en enquête, le meilleur d'entre eux étant certainement, je vous le montre ici, Qualtrics, qui est assez complexe, qui est assez coûteux et qui nécessite quand même pas mal d'une courbe d'apprentissage assez importante. Il y en a un qui est tout aussi professionnel, qui est gratuit et qui est extrêmement intéressant et qui s'appelle SurveyMonkey. Et donc sur SurveyMonkey, je vais faire la même chose, je vais créer un sondage et en même temps je réponds à la question suivante. Ce sondage, je vais. Alors on peut copier un sondage existant, acheter des réponses, créer avec l'IA. Moi je vais partir de zéro. J'appelle mon sondage MDAZ. Catégorie de sondage, peu importe, je mets feedback, je copie pas les questions, je n'achète pas un panel d'audience. Si vous avez dans la vraie vie des questions à poser à un panel d'audience, vous pouvez acheter sur Slido, sur SurveyMonkey, un panel d'audience et il posera votre question. Donc là, je vais prendre une question, je vais dire simplement pourquoi, ce sera ma deuxième question, question ouverte, et j'enregistrerai question suivante, voilà, question suivante, nouvelle question, et ici j'ai, vous voyez, directement le choix du NPS, Net Promoter Score, qui est fait ici, je clique là-dessus, et là, la question va être toute fabriquée. Quelle est la probabilité que vous recommandiez? Alors, moi, je vais dire ce livre, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce cours, cette conférence, ce produit, ce service, moi je dis ce livre, à votre entourage. Et on enregistre la question. Et donc la question est enregistrée.
Ça fait directement une échelle de 0 à 10. Et on va passer à l'étape suivante. Tout à l'heure, on passera à l'étape suivante. Donc, aperçu, collecte des réponses. Donc voilà, l'aperçu, il n'a pas un intérêt fondamental. Je vais maintenant répondre à la question suivante qui se trouve ici. Avec un des outils, alors est-ce que j'ai bien répondu à tout ça? Alors la différence que l'on fait, pour répondre à cette question-là, la différence que l'on fait entre Google Forms, ah je ne t'ai pas montré Google Forms, super facile, hein, je vais choisir une question d'échelle. L'échelle, je la veux de 0 à 10. Voilà, je repose toujours la même question, j'aurais dû faire un copier-coller, mais je ne l'ai pas fait bêtement. Recommander, désolé, c'est un petit peu long, vous, ce livre à vos amis. Point d'interrogation. Et c'est tout, puisque c'est la seule question que l'on veut poser. Échelle de 1 à 10. Et si j'aperçois mon sondage, voilà, recommandez-vous ce livre à vos amis, échelle de 1 à 10, je l'envoie. Et donc maintenant, j'ai dans l'envoi, j'ai le lien ici, vous voyez ce lien ici que je copie. Ce lien ici, une fois qu'il est copié, une fois qu'il est mis dans une URL, hop, pose la question, je réponds 10, parce que c'est un très bon livre. J'envoie la réponse et je retourne du côté du formulaire. Et là, j'ai déjà deux réponses. Alors pourquoi deux, je ne sais pas. Et j'ai bien le 10 qui est arrivé ici. Et je vois bien le 10. Mais la différence entre Google Forms ou Microsoft Forms ou Slido ici et Qualtrics et SurveyMonkey. La différence entre ces logiciels, c'est que du côté SurveyMonkey et Qualtrics, les vrais logiciels de sondage, il va calculer le NPS tout seul. Et il va vous tenir au courant, si vous faites une enquête qui dure plusieurs semaines, par exemple, chaque jour, il vous tient au courant du niveau de NPS. Aujourd'hui, votre NPS est à 25, 35, 45. Vous avez une information du calcul du NPS. Dans le cadre de Slido et dans le cadre de Google Forms ou de Microsoft Forms, c'est vous tous les jours qui devez aller voir les résultats et faire votre petit tableau, comme je l'ai fait tout à l'heure, des 9 et des 10, et puis calculer quel est le véritable NPS. Donc c'est ça la différence, et bien sûr, parfois SurveyMonkey pour des choses un peu plus complexes peut devenir payant, et Qualtrics, lui, est payant de base. Donc là, on a répondu à ces différents outils. On en reparlera encore dans les corrections de l'exercice numéro 4. Et maintenant, mise en pratique, on l'a déjà quasiment fait avec un de ces outils. Donc moi, je l'ai fait avec SurveyMonkey et avec Google Forms. Installer un questionnaire temps réel sur un endroit choisi des sites web de votre entreprise, mesurer les réactions, interagissez avec eux, etc. Donc là, on l'a fait vous l'avez vu, avec Google Docs. Il suffit de copier ce lien et de le mettre dans votre WordPress, dans votre site internet, dans n'importe quel endroit du web, et les gens qui cliquent dessus vont avoir votre, ou dans un email bien sûr, hein, et les gens qui cliquent dessus vont avoir cette proposition-là. Dans Google Forms, vous pouvez directement envoyer des emails. Donc là, on peut saisir directement un certain nombre d'emails et vous aurez l'information. Vous pouvez avoir le lien, faire un lien et demander aux gens de répondre. Et vous pouvez même, ce qu'on appelle embedder, donc mettre à l'intérieur d'un site le petit collecteur, et les gens cliqueront directement sur le site sans forcément savoir que l'on va sur Google Forms. Donc là, c'est la version Google Forms, et la version SurveyMonkey, ben c'est à peu près la même chose. Donc là, on a notre questionnaire. On aurait pu mettre pourquoi après le NPS, mais j'ai fait ça très vite. Collecter les réponses. Et donc pour collecter les réponses, j'envoie mon sondage comme je le souhaite. Sinon, je peux demander à SurveyMonkey de me trouver 1000, 2000 personnes pour poser la question, mais moi je veux l'envoyer moi-même. Je veux partager un lien de sondage, donc je clique ici. Il va me donner un lien dans quelques instants.
Ah, ben, il veut que je paye. Donc voilà, la version, cette version est devenue payante. Comme quoi les choses changent tout à fait régulièrement. Donc je recommence ma collecte de données. Je veux toujours. Alors est-ce que je vais partager un lien de sondage? Pourtant, il n'y a pas marqué que c'est payant. Intégrer un site, on va voir si c'est possible de l'intégrer à un site. Un sondage intégré. Est-ce qu'il me redemande de payer? Mais oui, il me redemande de payer. Donc je n'ai pas trouvé cette fonctionnalité très sympathique. Donc analyser, bon, on n'a pas d'analyse puisque personne n'a répondu. Ok, donc SurveyMonkey est devenu payant. Good to know. Et ceci va clôturer. Donc on va préférer, heureusement que je l'ai fait dans Google Forms. Bon, ça reste gratuit. Et donc maintenant, vous savez comment mettre en place une récolte de satisfaction de vos clients à travers le NPS et comment gérer cette expérience multicanale. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4 pour la suite de nos aventures.